Très cordialement, je voudrais saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et souhaiter à tous les riches bénédictions de Dieu, aussi tous ceux qui sont en ligne. Dans le monde entier, il n'y en a pas peu, ils sont beaucoup, il y a des réunions parfois avec 4000 et plus de frères et sœurs rassemblés et qui sont en ligne. Nous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes pleins de confiance que le Seigneur, encore ce soir, nous bénira richement. Nous sommes déjà bénis par les cantiques merveilleux et aussi par l'instrumental. Tout nous touche profondément le cœur et nous pouvons que remercier Dieu pour sa grâce, de ce que nous avons un tel endroit où nous pouvons sans être dérangés servir le Seigneur. Et nous voulons aussi ce soir ensemble encore lui apporter des louanges de reconnaissance. Nous commençons avec le numéro 5 dans le petit livre des chants. Quel ami fidèle et tendre est notre Seigneur Jésus. Le numéro 5. Nous entendons encore le numéro 20, le cantique numéro 20, « Ne crains rien, je t'aime ». Oh!
Gloire à Dieu. Oui, c'est merveilleux comme ces cantiques le témoignent. Ils ont expérimenté, ceux qui ont chanté ces cantiques, qui ont fait ces cantiques, l'ont expérimenté. Et de leurs expériences, ils ont chanté ces cantiques. Comme quand nous lisons les psaumes de David, c'était des hommes de Dieu qui ont témoigné ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu et ont ainsi loué et exalté le nom du Seigneur. Oui, merci pour l'accompagnement. Nous sommes aussi pleins de reconnaissance, pleins de confiance que le Seigneur, ce week-end, nous fortifiera dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme. Et nous voulons, comme introduction, lire la parole. Je demande ensuite que le frère Alfred Bord prie de Ésaïe, le chapitre 51. Je voudrais lire quelques versets dans le prophète Ésaïe, chapitre 51, directement à partir du verset 1. Höret auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif à ma voix, ma nation. Prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Jusqu'ici, cette parole précieuse de Dieu. Nous pourrions continuer à lire et continuer à lire. Le Seigneur a un dessein merveilleux de rédemption, pas seulement avec Israël, mais aussi avec nous. Et nous, des nations, et nous sommes tellement reconnaissants de ce que maintenant nous avons la grâce de lui prêter l'oreille. De prêter l'oreille à sa loi, à l'enseignement, à l'instruction divine, à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et Dieu le Seigneur a fait de grandes choses dans nos jours, de ce que de nouveau il a envoyé un prophète selon sa promesse pour rétablir toutes choses, pour restituer toutes choses, ramener toutes choses à l'état qui existait au commencement, à l'enseignement pur, à la parole, à la semence originale de la parole, comme les disciples l'ont entendu de la bouche du Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons, par la grâce de Dieu dans notre temps, écouter la parole de Dieu. Et nous avons été ramenés à la foi des pères au commencement. Et nous savons que le Seigneur va confirmer, accomplir chaque promesse qu'il a donnée dans sa parole. Nous devons seulement être dans l'attente et désirer ces choses avec zèle, qu'elles s'accomplissent en chacun de nous, pour que ce ne soit pas seulement que nous écoutions ces choses, mais que nous ne puissions pas arrêter de lui demander de confirmer sa parole en nous. Encore ce soir, le Seigneur le fera. Nous nous levons pour la prière. S'il te plaît. Père céleste, nous te remercions de ce que ce soir nous pouvons être ici. Car nous savons que toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te remercions pour ta parole que nous venons d'entendre déjà.
Tu nous appelles, tu nous dis, soyez attentifs à moi, écoutez-moi, prêtez-moi l'oreille. C'est pour cette raison que nous sommes ici ce soir, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Jeunes et adultes, petits et grands, nous sommes ici pour te rencontrer nouvellement, pour avoir une nouvelle expérience avec toi et expérimenter personnellement en nous tes promesses, les voir accomplies en nous et les expérimenter personnellement. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu es présent, parce que tu nous l'as promis, parce que dans sa parole tu l'as dit. C'est pour cette raison que tu es présent, par ton Saint-Esprit. Et nous te remercions, nous te remettons toutes choses entre tes mains, le déroulement de cette réunion. Nous te demandons seulement une seule chose, viens parmi nous et reçois ce qui te revient de plein droit de chacun de nous. Car tu connais les besoins de maladies, les problèmes de maladies, les cas de maladies et tout ce qui se passe. Seigneur, secours-nous ce soir, envoie ta parole d'une manière puissante et que le sang de l'agneau puisse être sur toute la congrégation ce soir. Pardonne toutes choses, toute l'incrédulité, toute la petite foi et remplis-nous de foi, de confiance pour que, Seigneur, de confiance, que toi tu es capable de faire toutes choses, que toutes choses te sont possibles. Et cela ce soir. Seigneur, nous te remercions. Tu es présent. Nous ressentons l'action de ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour la cantique. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà donné. S'il te plaît, Seigneur, bénis notre frère. Utilise-le. Parle à nos cœurs. Et tu connais le désir de notre cœur. Nous voulons expérimenter ta présence parmi nous. Accorde-le-nous ce soir. Je te le demande dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter ce cœur. Ceci est le jour. Ceci est le jour. Amen. Nous nous asseyons. Je voudrais aujourd'hui vous lire les salutations, d'abord les appels du frère Mbie Gonga, du frère Mamba, du frère Paré du Burkina Faso, du frère Etienne Genton, des salutations de l'Arménie, du frère Joseph d'Abidjan, des frères de la Zambie, des frères de Goma, du Congo, du frère Graf, salut tous, le frère Cécile de Pretoria, le frère Wendel Ellis de Edmonton, le frère Cindy. En ce moment, il est à Abidjan, le frère Pao Nyagi de Nairobi. Des salutations de Ouzbékistan, des frères et sœurs. Ensuite, nous allons souhaiter tout de suite la bienvenue aux frères. J'ai encore des salutations de l'Angola, le frère Paulo Brás, le frère Gracian de Astot, Israël. Le frère Kamango du Congo, le frère Albert aussi du Congo, ensuite le frère Thierry de l'église de Dimokro, le frère Dibongi de l'Afrique du Sud, le frère Nyangeli de Ottawa, Canada,
le frère natif de Durban, le frère Baruti du Congo, ensuite de Cluj, la Roumanie, des salutations des frères et sœurs, des salutations du frère Kabeya de Goma, des salutations du frère Chauffeur du Rwanda, le frère Brussi de Kapstadt, de l'université, et souhaite les riches bénédictions à Dieu, le frère Yapi Léon de la Côte d'Ivoire, le frère Matandi du Congo, le frère de Yamoussoukro de la Côte d'Ivoire, des salutations de frères, des frères et sœurs de l'Hongrie, des frères de Kigali, le frère Patrick de Kinshasa, le frère Adi et le frère Gusli de la Roumanie, le frère Stephens de Kigali, de Rwanda, le frère Olet et la sœur Ulmikt du Portugal et aussi de Lisbonne, la sœur Fernanda, du frère Mukanda Solvetsi, la Zambie, du frère Boni de la République du Congo, le frère Yonsi de Denver, Colorado, du pasteur Mbulumba de Goma, la République du Congo, le frère Anderson de la Nouvelle-Zélande, le frère Chioni de la République du Congo, le frère Chuma du Nigeria, le frère Dick Beo de la Côte d'Ivoire, le frère Isaac de Ottawa, Canada, le frère Richard de Ottawa, il y a un frère qui demande qu'on prie pour ses deux enfants, le frère Tony de Malawi, citation du frère Gadama de Sillionville, Malawi. Le frère Kofi d'Abidjan salue tous et ensuite et remercie. Ils sont maintenant directement liés avec nous et écoutent en direct. Le frère Jean Diktsuku de Brazzaville, il a été guéri d'un cancer de l'intestin. Il nous salue tous. Le frère Ngona de Nazanga, de la Pointe Noire, aussi du Congo, le frère Joshua de Ottawa, des salutations de la Suède, du frère Namuti, le frère Adonis du Congo, le frère Moeli de Libreville, Gabon, du pasteur Motika de Johannesburg, de Kupfu Bunti du Burundi, le frère Koch et l'église de Maké de l'Australie, du frère Rémi du Burundi et du frère Da Silva. Je ne sais pas, la ville n'est pas écrite. Ça, ce sont donc toutes une pile de salutations et il y en a encore beaucoup d'autres qui sont liés avec nous. Et nous avons aussi ici frères et sœurs, un couple de l'Italie qui sont en visite ici, que nous souhaitons à tous les bienvenus. Un couple de l'Italie qui est ici. Ensuite, le frère Moïse de Kinshasa qui est ici parmi nous. Nous lui souhaitons les riches bénédictions de Dieu et la bienvenue. Le frère Eli de Kananda doit. Nous souhaitons aussi la bénédiction de Dieu et la bienvenue. Oui, c'était les salutations et aussi les souhaits de bienvenue. Ensuite, nous sentons un cœur et nous demandons que le frère Franck vienne et nous serve avec la parole. Crois seulement, crois seulement. Thank you.
À cela, nous disons tous Amen. Et si lui, il est présent, alors nous, les pécheurs reçoivent le pardon, les malades sont guéris et ceux qui sont possédés sont délivrés. Toujours où le Seigneur était, quelque chose se passait. En ceux et avec ceux qui ont cru. Frères et sœurs, je suis saisi, touché de ce que Dieu fait, oui, a fait et fait aussi maintenant dans le présent. Et je voudrais seulement donner un court compte rendu du dernier voyage en Inde. Simplement impressionnant, personne ne peut s'imaginer. Et en langue anglaise, en anglais, la prédication, la proclamation est plus puissante et on n'a pas besoin de faire attention à 12 traducteurs qui doivent traduire. On peut être plein de feu dans l'esprit et prêcher la parole. Et j'ai vu que des centaines, aussi après le Amen, sont venus devant et ont demandé qu'on prie pour eux. C'était vraiment une visitation pleine de grâce de notre Dieu dans tout le pays. De l'extrémité du nord, de la Gandhi, Ganar, Nagar, et jusqu'à Chennai, au sud. Il y a eu de grandes réunions en Inde et la parole a été prêchée. Et la grâce de Dieu a toujours été de nouveau expérimentée. Maintenant, les passagers reçoivent donc les kilomètres du vol et les minutes. Il y avait donc 120 minutes aller-retour et le deuxième vol a duré à peu près 2 heures. Le troisième vol a duré 1 heure et 15 minutes. Le prochain a duré de nouveau 2 heures. Et en tout, à l'intérieur de l'Inde, j'ai entrepris 7 heures et 25 minutes de vol. En allant de ville en ville et sans compter les centaines de kilomètres en taxi. Et celui qui déjà a été en Inde, il sait, n'est-ce pas, ce que veut dire que se déplacer en taxi. Les rues étroites, avec toutes les voitures sur cette rue étroite, et il y a des mobilettes et sans compter, sans mentionner tout ce qu'on peut trouver sur la route. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau en Inde. Vous savez que les vaches sont aussi en pleine rue, bien ordonnées à droite, vraiment bien ordonnées à droite. Et je l'ai déjà dit à Zurich, il n'y a eu qu'une seule exception. Il y avait un bœuf qui s'est mis à travers de la route et toutes les voitures devaient le dévier, il ne voulait pas bouger. Tous devaient donc le détourner, le contourner. Et je pensais en moi-même, comme c'est merveilleux, si nous avons la nature de l'agneau et que nous ne nous plaçons jamais à travers du chemin, mais nous préférons être un écriteau, montrer le chemin et savoir comment nous comporter. Ensuite, j'ai rencontré mon vieil ami Conway, qui il y a 60 ans a entendu Frère Branham. Il avait 17 ans à l'époque et il avait chanté dans la chorale de l'église anglicane et il a à l'époque aussi pris part aux réunions de Frère Branham en 1900.
54. Et alors qu'en 1964, pour la première fois, j'étais en Inde, j'ai connu cet homme, j'ai rencontré cet homme, j'ai fait sa connaissance, lui qui avait pris part aux réunions de Frère Branham déjà en 54 en Inde. Et toujours de nouveau, alors que j'étais en Inde, il a toujours pris part aux réunions. Et c'est ainsi que Dieu l'a béni et beaucoup d'autres avec lui. Et d'une manière puissante, a pu l'utiliser. Et dans le résumé, on peut dire, Dieu a accordé sa grâce au 25e voyage en Inde. Et dans tout le pays, il y a des centaines qui croient. Ce que dit l'Écriture est tel que l'Écriture le dit et qui ont reçu le ministère de Frère Branham. Je voudrais encore mentionner cela, de ce qui s'est passé en 1976, en octobre, vous le savez tous, des lettres circulaires. J'étais déjà allé chercher mon billet d'avion et j'étais revenu. C'était à peu près à 800 mètres d'ici, la première rue, après donc le centre de Réal. Et c'était au numéro 7. J'étais allé au pour prendre mon billet, et je venais juste de m'asseoir. Dès que vous entendez ma voix, la voix du Seigneur qui vient toujours d'en haut à la droite, a retenti. Mon serviteur annule le voyage pour l'Inde. Comme vous entendez mes paroles, audiblement. Et je suis en fait un homme qui garde sa parole, qui fait ce qu'il dit. Et je suis sorti, je me suis assis dans la voiture, je suis allé à la forêt là-bas et j'ai marché à droite et à gauche. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas possible de malgré tout aller entreprendre ce voyage? Les gens sont invités, tout est préparé, la salle est louée. Et je suis revenu vers 11h15, je venais juste de me rasseoir tel que vous entendez encore ma voix. Encore plus fort, annule le voyage pour l'Inde. Et alors, je savais bien sûr ce que je devais faire. Donc, j'ai écrit à l'époque des télégrammes pour dire que je ne pourrais pas prendre part à ce voyage. Et il y a une lettre qui a suivi ensuite. Et ensuite, cela a eu lieu que le vol, l'avion sur lequel j'étais enregistré, de Bombay à Matras, après le décollage, a pris feu et tous les voyageurs, les 96 voyageurs, sont morts dans les flammes. Et ils existaient. Donc, ils ont perdu tous leur vie, 96 personnes. Et ensuite, de Bonn, l'appel, n'est-ce pas, nous a été adressé au bureau parce qu'à l'époque, le gouvernement en Allemagne était à Bonn. Et donc, ils ont dit ici au bureau, votre missionnaire Eval Frank se trouve dans la liste, parmi la liste des voyageurs qui ont perdu leur vie dans la flamme. Et j'étais au bureau pendant qu'ils disaient ça au téléphone. J'étais là, présent au bureau. Et ensuite, on m'a appelé au téléphone. Vous voyez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il peut au dernier moment donner des ordres. Et il peut garder, il est le Dieu éternel fidèle. On nous a tous déjà souhaité les bienvenus. Et moi aussi, je voudrais simplement l'exprimer. Bien-aimés frères, particulièrement tous ceux qui prêchent. Même si on ne mentionne pas votre nom, aussi le frère John de Bucarest, ou bien le frère Daniel de Timisoara, ou bien nos frères de Paris et Bruxelles et du Congo, vous êtes toujours les bienvenus. Et Dieu vous a bénis et vous a établi pour être une bénédiction pour beaucoup. Aujourd'hui, nous
Nous n'allons pas longtemps nous occuper de ce qui se passe dans la politique et dans le monde, mais nous remarquons vraiment par tous ces événements que le temps est avancé. Et ici, la nouvelle de l'Internet, les nouvelles d'Internet, que la fin du conflit et la paix durable et la sûreté pour les deux camps, pour Israël et pour les Palestiniens. Donc, il s'agit toujours de paix et de sûreté. Et ici, le pape, un dialogue entre le pape, dialogue du pape entre les chrétiens et les musulmans. Il s'agit toujours d'une chose, d'une paix. Paix et sûreté, c'est leur slogan. Et tout vraiment dépend de ce qui se passe dans ce temps. Et la chose la plus grave, bien sûr, quand on regarde à Rome, les ossements de Pierre sont là et le pape embrasse 8 os qui viendraient de Pierre, puis qu'il le fasse. Mais maintenant, il y a quelque chose qui suit, quelque chose d'autre, complètement d'autre. La dernière explication est écrite dans ce magazine allemand, Idea Spectrum. Citation, le baptême commun et la foi en la Trinité sont les choses les plus importantes que les différences théologiques. Et maintenant, bien sûr, il est dit plus de différentes confessions. Il ne s'agit plus de négocier entre les confessions, mais de démontrer l'unité. L'unité. Et maintenant, suit le marteau, et nous allons devoir venir à parler de ça. Aussi, l'un des derniers articles du Vatican, citation, dans l'Église catholique, il y a un changement. Le Vatican va vers les homosexuels et les lesbiennes. Et ensuite, il dit, les homosexuels peuvent enrichir la communauté avec leurs dons et leurs talents. Les homosexuels. Nous allons pour cela laisser la parole de Dieu dire quelque chose. Dieu a un ordre dans sa création. Dieu a aussi un ordre dans son dessein du salut. Et c'est très important, frères et sœurs, que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler d'appel à sortir et de préparation, mais que vraiment nous puissions faire nos expériences personnelles du salut avec Dieu. Et que nous passions par la repentance, par une conversion, et que nous puissions ainsi consacrer notre vie au Seigneur, et que nous expérimentons une délivrance de tout ce qui nous lie, et que nous puissions vraiment consacrer notre vie au Seigneur, pour pouvoir consacrer notre vie au Seigneur. Et comme le frère Tati m'avait dit tout à l'heure, par une émission de CNN, c'est une émission connue dans le monde, la plus connue dans le monde entier qui existe sur Terre. Et là, il a été dit que 10 000 églises aux États-Unis, des baptistes et des méthodistes et tous ont donné leur accord que les homosexuels, etc., qu'ils peuvent être ensemble et recevoir ensemble la bénédiction. Quelle bénédiction ! Seulement, tout dépend de la bénédiction qui vient vraiment de Dieu. Et Dieu peut seulement bénir ce qui est dans sa volonté. Tout le reste, il ne peut pas bénir. Et ensuite, nous avons dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, l'ordre donné concernant ce que nous avons à faire en tant que croyants. Que tous les hommes, que toutes les églises, que toutes les religions fassent ce qu'ils veulent
pour l'Église du Dieu vivant est seulement valable la parole de Dieu. Ce qu'il vous dit, ça, faites-le. Et ici, oui, particulièrement dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, ici, à partir du verset 1, il est écrit, 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Les deux. Dans les deux domaines. Dans la chair, dans l'esprit, dans le domaine terrestre et dans le domaine spirituel, dans la vie terrestre, la vie spirituelle, tout doit se dérouler selon la parole de Dieu, d'ordonner tout selon la parole de Dieu. Et cette parole est écrite directement après 2 Corinthiens 6, justement. Et ici, nous avons, à partir du verset 14 dans 2 Corinthiens 6, l'ordre que le Seigneur lui-même nous a donné pour notre marche. Lisons ça. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec des incrédules, avec des incroyants, sous un joug étranger. Que les infidèles, que les incroyants, que les incrédules fassent ce qu'ils veulent. Le jour du jugement, ils recevront leur jugement. Nous sommes séparés en tant que peuple de Dieu et nous sommes dans le royaume de Dieu. Ensuite, il est écrit au verset 14. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et cela continue ici toujours. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Pas d'accord. Ou bien, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ou bien entre un infidèle et un fidèle, un croyant et un incroyant? Il n'y a aucun accord. Il ne peut pas avoir de communion. Auquel part a le fidèle avec l'infidèle, ou bien le croyant avec l'incroyant? Ensuite, au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et maintenant, l'appel à sortir, l'ordre est donné. C'est pourquoi, puisque justement, nous n'avons aucune part et rien à voir à faire aux ténèbres, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ordonne l'Éternel. Ce n'est pas un souhait pieux. C'est un ordre. C'est un ordre du Seigneur. Séparez-vous. Pas seulement dit le Seigneur. Ordonne le Seigneur. Ne touchez pas et n'ayez rien à voir à faire à ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant la question, qui prête l'oreille à de telles paroles? Aucun homme. Dans aucune église, personne écoute de telles paroles. Tous ont leur propre enseignement qu'ils ont ferme enseignement et ils restent attachés à leur façon de voir. Mais nous, en tant qu'église du Dieu vivant, est valable cette parole du Seigneur aussi et telle que
l'ordre dans la création naturelle existe, c'est ainsi que pour nous aussi, l'ordre divin existe dans le dessein du salut dans lequel nous avons à nous laisser mettre à la place que Dieu veut. Nous devons nous laisser ordonner. Ensuite, nous avons dans l'Ancien Testament, oui, le modèle. Maintenant, par exemple, si nous lisons dans Luc chapitre 17, ce sera dans les jours de Noé comme c'était dans les jours du Fils de l'homme, comme c'était dans les jours de Sodome et de Gomorre. Alors si on lit cela dans Luc 17, alors on doit repartir à Genèse 19 pour savoir ce qui s'est passé autrefois, comment c'était là-bas. Si maintenant, avant le retour du Seigneur, la Bible déclare que les choses seront telles que c'était autrefois, du temps de Sodome et de Gomorre, alors on doit vraiment repartir pour constater ce qui s'est passé et comment est-ce que c'était et ce que Dieu autrefois a fait du temps de Sodome et Gomorre. Tous nous savons que dans Genèse chapitre 18, le Seigneur est venu visiter Abraham avec deux anges, s'est assis sous les térubins et s'est laissé laver les pieds. Et avec Abraham, il a tenu le repas et il a même dit, comment est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire, ce que j'ai l'intention de faire. Abraham était le prophète et Dieu lui a révélé ce qui allait arriver. Ça, c'est le chapitre 18 de Genèse. Mais ensuite, dans le chapitre 19, les deux anges sont donc allés à Sodome, sont arrivés là-bas le soir, dans le chapitre 19. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La ville s'est rassemblée et les homosexuels ont exigé que Lot leur fasse sortir ces hommes. Dans Genèse 19, verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Oui, à l'époque, ça existait déjà. Mais Dieu, dans sa parole, a donné des directives à suivre. Et cela déjà dans l'Ancien Testament. Et cela en relation avec la sanctification. Lisons cela, seulement quelques versets dans le chapitre 19, en relation avec la sanctification. Ici, au verset 2, il nous est dit, dans Lévitique, chapitre 19, au verset 2, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Ensuite, il est montré tout ce qui appartient à cette sanctification. Au chapitre 20, dans Lévitique, le chapitre 20, à partir du verset 7, il est écrit, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints. » Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous voyez, observez ce que je vous ordonne d'observer. Mettez en pratique ce que je vous ai dit. C'est ainsi que je vous sanctifie. C'est comme ça, il est montré que c'est seulement dans la parole et dans la volonté de Dieu que nous pouvons parler de sanctification et qu'il peut nous sanctifier. Et bien sûr, l'ordre très sévère suit lié à la condamnation de mort. Au verset 10, dans Lévitique chapitre 20, au verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, ensuite,
il doit être lapidé. Dieu voulait de l'ordre dans l'église. Dieu voulait de l'ordre dans les maisons, dans les foyers, dans les familles. Il ne voulait pas qu'il y ait du désordre parmi son peuple. Et ensuite, en ce qui concerne le développement qui existe dans notre temps et qui a atteint son point culminant, qu'on n'aurait jamais pu penser possible. Ici, cela traite cela au verset 13, dans Lévitique chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ça, c'est une abomination devant Dieu. Et les deux doivent être condamnés à mort, seront punis de mort. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et je le répète, Dieu voulait de l'ordre dans l'église, dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Dieu voulait de l'ordre et Dieu veut de l'ordre. Et même avec des animaux, avec des bêtes, au verset 15, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Ça, c'était sa fin. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu, alors, de le faire. Si, c'est cet homme qui a lui-même voulu cela, s'il fait ça. Ensuite, au verset 14, au verset 16, si une femme s'approche d'une bête, qu'est-ce que j'ai dit encore, que j'ai entendu hier pour la première fois, qu'il y a un zoo qui doit être construit où des hommes et des bêtes peuvent se rencontrer. Un zoo. C'est impensable. C'est vraiment impensable. C'est Sodome et Gomorre. Et Sodome et Gomorre n'étaient rien en face de ce qui se passe aujourd'hui. C'est encore pire aujourd'hui. Mais le Seigneur a prédit ces choses à l'avance, que cela viendrait, et cela est devant nos yeux. Aujourd'hui, c'est déjà présent, cela se passe partout. Et nous avons ici, dans Luc, d'abord Luc chapitre 17, où le Seigneur, n'est-ce pas, a donné ses ordres concernant ce qui allait arriver. Et tous nous savons, n'est-ce pas, que le Seigneur reviendra très bientôt. Et ici, il est écrit, n'est-ce pas, dans Luc, le chapitre 17, à partir du verset 26. Luc, chapitre 17, à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et ensuite, au verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ensuite, au verset 28, wie es in den Tagen Lots zugegangen ist, man aß und trank, man verkaufte. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ensuite, verset 30, que frère Branham a très souvent mentionné, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, se révélera. Comme c'était du temps de Noé, celui qui était dans l'arche, il a conservé sa vie. Celui qui n'était pas dans l'arche mourut. Et c'est ainsi. Et celui qui n'était pas sorti de Sodome, le feu, une pluie de feu tomba et Sodome n'a plus existé. C'est peut-être raison que nous devons dire la différence entre un croyant et un incroyant est comme le jour et la nuit. Répétons encore, les incroyants font de toutes les manières ce qu'ils veulent dans toutes les religions et dans toutes les églises, mais l'église du Dieu vivant
accepte la loi de Dieu, les instructions de Dieu, les ordres de Dieu, et si avec cela nous allons dans le Nouveau Testament et que nous continuons à lire ce qui est écrit, ce qui a été écrit ici dans Romains chapitre 1, dans Romains le chapitre 1, Paul, déjà autrefois, s'est à traiter ce sujet. Ici dans Romains, le premier chapitre, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Oui. Et parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est écrit au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, à des façons infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Tout a été dit. Tout ici a été dit. Et ensuite au verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Ici, nous avons vraiment tout écrit, bien mes frères et sœurs. Dans notre temps, s'accomplit toute la prophétie biblique, que ce soit bien ou mal, que ce soit sur les, que cela concerne les peuples ou bien les églises, ou bien Israël, ou bien les nations. Ce que Dieu a dit dans sa parole à l'avance s'accomplit dans notre temps. Mais nous acceptons la parole comme un modèle, comme un modèle à suivre. Et je vais vous dire, nous allons seulement pouvoir nous tenir devant Dieu si nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Lisons 2-3 versets dans l'Épître aux Corinthiens. Ici, dans l'Épître aux Corinthiens, il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, versets 9 et 10. Der Unrecht tut, 1 Corinthiens 9, Gottes erben wird, irret euch nicht. 1 Corinthiens chapitre 9, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Lüstlinge und Knabenschänder, weder Diebe, noch Betrüger, auch keine. Non, 1 Corinthiens 6, pardon, 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'entreront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infâmes, les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Il a lu jusqu'au verset 10. Et on doit, et ici, il y a toute une liste. Nous devons savoir tout ce qui nous exclut du royaume de Dieu, tout ce qui nous sépare du royaume de Dieu. Et nous devons prendre chaque signification de chaque mot ici au sérieux. Et savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Car ces choses-là, ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ici, il est parlé, il n'y aura pas de calomniateurs non plus. De calomniateurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. De médis. Et aussi notre langue, nous devons la garder en bride. Sinon notre culte est en vain. C'est pour cette raison que toutes ces exhortations que le Seigneur nous a données sont importantes. Dans 1 Corinthiens 7, nous avons ensuite l'ordre. Je m'excuse, vous qui êtes âgés et les jeunes, mais ici, n'est-ce pas, l'ordre est donné au couple. 1 Corinthiens 7, dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2.
Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme est son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est l'ordre divin aussi dans l'Église du Nouveau Testament. Et tous ont la possibilité de se soumettre, de se diriger selon ces choses et ne pas comme ça brûler. Homme pour homme, femme pour femme, mais de respecter l'ordre divin, comme cela est dit ici, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Ça, c'est l'ordre divin qui existe et reste valable dans l'Église du Dieu vivant, sans considérer, sans tenir compte de ce que tous les autres font, qu'ils le fassent. Et cela leur arrivera comme c'est arrivé à ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche et à ceux qui étaient à Sodome quand la pluie de feu et de foudre tomba. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé la grâce aussi dans le domaine terrestre de respecter tout selon la parole de Dieu, mettre les choses à leur place. Et ça, c'est la grâce inexprimable que le Seigneur nous a accordé. Maintenant, adressé à tous ceux, et ça je le dis maintenant librement et ouvertement, nous n'allons pas de nouveau venir à parler de ce sujet. Mais moi personnellement, je ne connais aucun frère qui pourrait tomber sous cette liste. Je ne connais aucun qui serait homosexuel. Je ne connais pas un seul frère. Si quelqu'un est homosexuel, était ou bien est, s'il vous plaît, cela n'est pas selon ma connaissance. Je ne le sais pas. Et cela est valable pour les sœurs. Je ne connais aucune sœur qui serait lesbienne dans laquelle cela s'accomplirait comme c'est écrit dans comme cet ordre, cette condamnation pourrait s'accomplir en elle, qu'elle doit être punie de mort par, en étant lapidée. Mais nous croyons que en Christ, si cela est le cas, la délivrance totale est valable en Christ. Et Dieu a pris soin. Et ça, je le dis de tout mon cœur. Nous ne sommes pas non plus ici pour juger. Nous ne sommes pas ici pour condamner. Nous sommes ici pour dire la vérité et prêcher la vérité. Comme il est écrit que personne qui transgresse de cette manière n'héritera pas le royaume de Dieu. Tous ceux qui commettent l'une de ces choses ici n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu va permettre à des homosexuels, à des calomniateurs d'entrer? Ce n'est pas possible. Nous devons naître de nouveau. Et la vie divine doit être manifestée en nous. Et nous devons ne pas seulement, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Corinthiens, le chapitre 7, 1 Corinthiens, que réellement, nous devons vraiment être délivrés de tout dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7 et 2 Corinthiens chapitre 6, et être consacré à Dieu. Je l'ai lu parce que ces choses-là sont en train de prendre le cours. Et je le dis aussi avec crainte. Est-ce que quelqu'un aurait pensé possible, aurait pu croire que cela aurait pu être possible comme ça? Cela, l'homosexualité, tout, c'est officiel et il ne se cache plus. Il le déclare ouvertement. Qui aurait pu s'imaginer qu'une telle chose aurait pu être faite, que cela est fait, on le sait, mais que cela soit fait, que cela soit même loué et que cela soit déclaré comme bon, comme juste. Non, bien frère, disons les choses encore une fois, tel que c'était du temps de Sodome et Gomorre, c'est ainsi que ce sera. Et c'est ainsi que c'est dans les jours dans lesquels le Fils de l'homme apparaîtra, se révélera, se manifestera. Et c'est ainsi que c'est écrit, deux seront couchés dans le même lit, deux dans un même champ, deux à la même mule. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Bien-aimés frères et sœurs, la prédication que Dieu nous a confiée doit avoir comme objectif
que nous soyons prêts pour être enlevés. Voilà l'objectif de notre prédication. Et que nous puissions vraiment chacun se regarder dans le miroir de la parole et demander à Dieu vraiment sa grâce pour que vraiment, si quelqu'un a des problèmes, quoi que ce soit, ça ne doit pas être justement ce domaine. Mais celui qui aujourd'hui a des problèmes, il n'a pas besoin de sortir, de quitter cette réunion avec son problème. Il peut déjà, pendant la prédication, pendant la prière, expérimenter Dieu. Tout à l'heure, et celui qui, pendant la prière, je veux dire la prière commune, celui qui n'a pas encore expérimenté Dieu, il peut même rester après la réunion pour qu'on puisse prier pour lui. Ici, il y a des frères qui sont prêts à prier pour qu'une délivrance totale ait lieu en tous. Dimanche à Zurich, j'ai, n'est-ce pas, lu ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Et je l'ai dit en insistant plusieurs fois que cela est vraiment le jour dans lequel le salut de Dieu est manifesté. Le salut de Dieu est manifesté. Et aussi la délivrance et la pleine rédemption doivent avoir lieu par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce. Et tous ceux qui viennent au Seigneur reçoivent le pardon, mais aussi la délivrance. Et j'aimerais ici lire rapidement ces versets. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le deuxième verset. 2 Corinthiens, chapitre 6, le deuxième verset. Car il est écrit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et ensuite, suit ce que nous devons dire en insistant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dans l'Ancien Testament, annoncé à l'avance, prédit, mais dans le Nouveau Testament, cela s'est accompli. Dans Ésaïe 49, au verset 8, c'est l'annonce, c'est la prédiction. Et dans le Nouveau Testament, il est montré que cela maintenant s'est accompli. C'est le jour du salut. Le jour qui a été annoncé à l'avance est maintenant là. Et nous voyons que tout est là. Tout ce qui est dans la prophétie biblique, les nations contre les nations, des tremblements de terre, des famines, des temps de disette, comme Sodome et Gomorre est l'état du monde, tout est là. Et Jérusalem est en négociation. Le temple de la maison de l'Éternel est en négociation. Tout s'accomplit devant nos yeux. Nous n'avons pas besoin encore d'attendre l'accomplissement de ces choses. Nous n'avons pas encore besoin d'attendre que des prophéties s'accomplissent. Elles sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Et comme cela est écrit ici, voici maintenant le temps favorable, le temps du salut. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans Luc, le chapitre 4, où notre Seigneur, de l'Ancien Testament, a lu du prophète Ésaïe et pouvait dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons aller de chapitre en chapitre et toujours de nouveau dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Ici, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, il est écrit, n'est-ce pas, à partir du verset 17, Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que c'était l'année de grâce? Le jubilé, où tous les esclaves avaient le droit d'être libres et de revenir à leur propriété. Et celui qui ne revenait pas, il devait venir dans le temple et on devait lui percer l'oreille. Et il n'avait plus le droit d'être libre. Il devait rester pour toujours esclave. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est le temps du salut, est le temps de la grâce, est le jour favorable, le jour du salut. Et si notre Seigneur demandait aujourd'hui, avez-vous tous bien compris aussi en ce qui concerne le message et le messager, que par la grâce de Dieu, vraiment, nous mettons les choses à leur place dans la Bible et dans le contexte. Et nous savons qu'un prophète n'a pas été envoyé pour que nous puissions faire plus de lui que ce que Dieu a fait de lui. Un messager comme Jean-Baptiste pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc chapitre 1, verset 17. Et c'est pour cette raison, c'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas du message de Paul. Ce n'est pas le message non plus de frère Branham. Ce n'était pas le message de Paul. C'était le message divin adressé au peuple de Dieu qui nous a aussi été prêché dans notre temps pour ainsi ramener le peuple de Dieu à Dieu et à sa parole. Et le peuple de Dieu revient à Dieu et à sa parole pour pouvoir croire comme le dit les Écritures. Ici dans Luc chapitre 4 verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, Luc 4 verset 21 maintenant, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est merveilleux. Annoncé à l'avance dans Ésaïe, tous ont annoncé plus de 800 ans avant, plus de 800 ans étaient passés. Et maintenant, la prédiction était devenue une réalité divine ici sur cette terre parmi le peuple de Dieu. Et ils ont vu l'accomplissement de la prophétie biblique et ils ont reconnu. Et notre Seigneur pouvait dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Combien de versets bibliques nous pourrions lire, énumérer et dire aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture sont accomplies que vous venez d'entendre. Prenez le peuple d'Israël, par exemple. Est-ce que Dieu n'avait pas déjà dit dans Osée, le chapitre 6, « Après deux jours, je vous ramènerai et je vous ferai vivre. Un jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans. Deux jours sont donc comme 2000 ans. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu de tout le monde entier, de plus de 150 pays, a rassemblé son peuple d'Israël et l'a fait ramener dans le pays de la promesse. Et nous pouvons aujourd'hui dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Tout s'accomplit, tout est accompli de l'accomplissement de la parole de l'écriture dans notre temps. Et c'est peut-être raison aussi que la promesse qui nous a été faite est accomplie aussi, je peux bien me rappeler, alors qu'en 1964, alors que j'étais en train de revenir du voyage de l'Inde, en 64, j'ai fait une escale à Amman et en Jordanie. Et ensuite, j'ai pris un bus pour aller donc à Jérusalem en octobre 1964. Il y avait encore, j'ai vu encore donc, la porte de l'arbre de menthe et il y avait encore les fils de fer et tout ça. Et je devais avoir deux passeports parce qu'on ne pouvait pas
ce n'était pas possible d'entrer avec le même passeport dans les deux pays. L'inimitié était trop grande. Et quand on pense, autrefois c'était la division. Et aujourd'hui, Dieu a accordé sa grâce. Et comme il est écrit, le Seigneur de la montagne de Sion établira son règne et le monde entier le verra et l'expérimentera. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi il s'agit pour moi, de quoi il s'agit pour nous, de quoi il s'agit pour le Seigneur ce soir? Il s'agit que nous puissions vraiment reconnaître que nous n'avons plus le droit de marcher dans nos propres voies. Plus marcher dans nos propres décisions. On n'a plus le droit de prendre de propres décisions. Que nos décisions soient dans la volonté de Dieu et dans la parole de Dieu. Et que vraiment tout soit tel que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Avec nous, par la grâce de Dieu. Et je le dis aussi encore une fois, s'il y a quelqu'un qui a un problème, vous n'avez pas besoin ici de le dire à haute voix à quelqu'un, mais dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur si vous avez un problème. Et dites, Seigneur, je ne quitte pas ce bâtiment si ce n'est que ce soir, tu m'as parlé, ce soir, je te consacre ma vie, que ce soit jeune ou âgé, adulte, quoi qui que nous soyons. Et ensuite, s'accomplira aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, soyez sincères. Non, Dieu ne sait pas vos cœurs. À qui est-ce qu'on pourrait lire ce qu'on a lu dans Lévitique, chapitre 19, chapitre 20, dans toutes ces églises, n'est-ce pas? Ou bien même au Vatican, est-ce qu'on pourrait lire ça? Lévitique 19, verset 20. Non, tous marchent dans leur propre chemin. Tous sont convaincus d'eux-mêmes. Tous sont convaincus d'eux-mêmes. Non, répétons encore une fois. L'Église du Dieu vivant est le troupeau, est la troupe rachetée par le sang. Et aussi certain que le sang de l'agneau a coulé. C'est aussi certain que Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. C'est aussi certain que Dieu a dit, je ferai une nouvelle alliance avec vous et je vais écrire ma loi, mes paroles dans vos cœurs, pas sur écrire sur des tables de pierre, mais dans vos nouveaux cœurs de chair. Car avec la nouvelle alliance, les nouveaux cœurs sont venus. Et c'est ainsi que nous avons la grâce trouvée devant Dieu pour nous soumettre sous sa main puissante. Et ce que les hommes disent entre dans une oreille et sort dans l'autre. Vraiment, ça rentre dans une autre, dans une oreille et sort dans l'autre. Mais ce que Dieu a dit dans sa parole, ça va dans nos cœurs. Avez-vous tous un amen entier à la parole de Dieu? Amen. Oui, vraiment. Et bien sûr encore, les versets de Éphésiens et de Galates, nous avons encore une fois deux versets particuliers qui touchent et éclaircissent ce sujet dans Éphésiens chapitre 5. Et dans Galates aussi, nous avons, oui, ici nous pourrions lire dans Galates, disons, chapitre 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est bien sûr très sérieux. Car ici,
l'envie, la liste est grande, est longue. La liste est longue avec la jalousie, les querelles, les inimitiés, les divisions, les prises de parti. Oui, examinons-nous nous-mêmes devant la face de Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit ici. Celui qui fait de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça aussi, c'est une parole très sérieuse. Et ensuite, à partir du verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et maintenant, suite. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ, qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Paul a prêché Jésus-Christ, le crucifié. Et il a vraiment ici, dans Galates, le chapitre 6, à la fin, il a dit la chose suivante, Galates chapitre 6, versets 15 et 16. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Et maintenant, suit le verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Es-tu prêt à suivre cette règle, à marcher selon cette règle? Est-ce que la parole de Dieu est ta règle à suivre, est ma règle à suivre? Tous ceux qui marchent, suivent cette règle, sur eux viennent la paix et la miséricorde de Dieu. Bien sûr, encore ce verset dans Éphésiens, ici, dans Éphésiens le chapitre 5 aussi. Éphésiens, le chapitre 5, ici il est écrit, à partir du verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ensuite, l'exhortation est suivie, est faite, car chassez le bien. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, c'est-à-dire donc cupide est semblable à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien, frères et sœurs, de cette manière, nous avons ici jamais si clairement prêcher la parole. Mais ce qui se passe en ce moment sur terre est déjà la raison pour montrer à tous les croyants ce que notre Seigneur a dit. Vous n'êtes pas de ce monde, tel que je ne suis pas de ce monde. Par la grâce de Dieu,
nous avons expérimenté le pardon de nos péchés, mais pas seulement le pardon, mais la délivrance des fardeaux, la délivrance de ce qui nous a conduit au péché. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il annonce aux opprimés la délivrance à ceux qui sont liés, et la délivrance à ceux qui sont en prison, par la prière pour qu'ils soient délivrés. Et c'est pour cette raison que nous avons ce soir dû le faire ainsi, pas seulement parler du message ou bien du retour du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi toucher le domaine de notre vie et le faire clairement que le Seigneur a laissé des règles à suivre et nous devons les respecter. Et comme aussi nous l'avons lu, même des prises de parti et tout ce qui appartient à cela. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse, pour ce dernier temps dans lequel nous nous tenons, qu'il puisse nous accorder sa grâce, vraiment nous accorder sa grâce, que chacun se regarde lui-même dans le miroir de la parole et se frappe lui-même à sa poitrine et dit: Seigneur, comment est-ce que moi je me tiens devant toi? Est-ce que dans cet état je peux te rencontrer? Je peux me tenir devant toi? Oui, me tenir devant toi. Donc, ceci est le jour du salut. Ceci est le jour du salut. Pas seulement le dessein du salut, le message du salut, mais d'annoncer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont aveugles qu'ils puissent voir, à ceux qui sont paralysés qu'ils puissent marcher. Que tous, par la grâce de Dieu, soient secourus et que vraiment nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et que nous puissions vraiment soumettre notre propre volonté dans la volonté de Dieu et de tout notre cœur que nous puissions dire que ta volonté soit faite. Alors nous sommes déjà à cette parole d'Hébreux chapitre 10 que vraiment nous pouvons seulement être dans la volonté de Dieu. C'est seulement dans la volonté de Dieu que nous pouvons être sanctifiés. S'il vous plaît, ne pensez jamais que personne pense à quelqu'un d'autre. Que chacun pense à lui-même et s'examine lui-même sans penser à quelqu'un d'autre. Et ainsi, Dieu nous secourra tous. Ce que Dieu a dit, il n'a pas besoin de le corriger, de le reprendre. Il a seulement dit ce qu'il a voulu dire. Et ce qu'il a voulu dire, il l'a dit. Et insistons encore une fois, par la rédemption, la délivrance est venue, nous avons été rachetés, délivrés de toute prétention du diable. Notre vie appartient au Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous pouvons encore lire cette parole. Pensez à cela, que votre corps est un temple de Dieu. Votre corps est un temple de Dieu. Dans notre cœur, notre cœur est dans notre corps. Et le Seigneur a établi sa demeure en nous. Et c'est ainsi que notre corps est devenu un temple de Dieu. Et le Seigneur a établi sa demeure dans le centre de ce temple, dans notre cœur. Et je suis vraiment convaincu que tous, absolument, nous avons un amen absolu à Dieu et à la parole de Dieu en toutes choses. Et que nous pouvons seulement dire, bien-aimé Seigneur, là où il y a encore des manquements et qu'il y a encore quelque chose qui est entre moi et toi, ôte-le, Seigneur. Je te l'apporte. Et aussi particulièrement adressé à tous les jeunes qui veulent prendre leur décision pour le Seigneur. Prenez-la dans la foi. Laissez la parole vous parler. Dieu ne parle pas en vain. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est l'heure que Dieu nous accorde. Aujourd'hui, nous pouvons tous prendre notre décision
pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons tous lui consacrer notre vie, car il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur nous tous. Et aussi les paroles que nous avons considérées aujourd'hui, qu'elles puissent toucher notre cœur pour que nous ayons un oui de tout notre cœur à tout ce que nous avons entendu et que nous pouvons seulement que dire, Seigneur, que ta volonté toi soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, c'est ainsi que son nom, par notre vie, sera sanctifié. Sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes élus, nous sommes séparés, nous appartenons pas aux églises libres et aux communautés dénominationnelles. Nous sommes l'église du Dieu vivant, qui est l'appui et le pilier de la vérité. Nous avons trouvé grâce devant Dieu et nous avons expérimenté le pardon et accepté le pardon de nos péchés et expérimenté la délivrance et de tout ce qui appartient à cela. Et à lui, notre Seigneur, soit l'honneur, soit la louange, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Et aujourd'hui, nous allons dans la prière, demeurer dans la prière, rester dans la prière. Et peut-être si nos frères qui veulent chanter un cantique en espagnol, même peuvent chanter. J'ai demandé. Tous nous savons que nous sommes internationaux, ce sont des réunions internationales, même s'il est prêché en allemand, cela est traduit dans plusieurs langues, et nous estimons beaucoup que tous vous écoutez. Nous estimons que les traducteurs ont trouvé grâce devant Dieu. Si le frère Ernst est ici, qu'il puisse maintenant venir et chanter un cantique, et tous. Alors, il sera là demain. Alors, nous appelons les deux sœurs pour qu'elles puissent venir et chanter un cantique. Et tous, nous persévérons dans la prière. Entre-temps, nous chantons « Tel que je suis, sans rien de moi ». Kannst du von Zünde an dein Feuer uns lassen? Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Herr, möge es brennen, liebe Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Schließe fest mich ein, Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Bitten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Rospal ogień, Panie, w moim sercu już, niech jasno płonie,
chwaląc Ciebie wciąż. Wszystko, co posiadam, jest własnością Twą. Niech mnie Twe ręce mocno objąć chcą. Ty źródłem życia i radości mej, przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się. Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg. Jezu mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Doch ist mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wieczne światło Boże wnet zaświeci mi. Nie trać nadziei, duszo światło lśni. Ucisz narzekania, gdy usłyszysz pieśń. Pan już nadchodzi, śpiesz Go witać, śpiesz. Ty źródłem życia i radości mej, przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się. Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg. Jezu mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Bitten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Amen. 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 Oui. Ces deux strophes que les sœurs ont chantées en polonais, pour que l'on ne les ait pas compris, c'est bien de ce que nous pouvons en cet endroit, dans toutes les langues, remercier le Seigneur, de tout notre cœur remercier le Seigneur. Et ça aussi, nous voulons toujours de nouveau le dire, tous ceux qui parlent et connaissent d'autres langues et qui écoutent par la traduction pour que tous reçoivent ce qui est dit. C'est vraiment la grâce de Dieu que nous ayons ici par à ce que Dieu fait dans le présent. Pendant que nous courbons les têtes encore et que nous recueillons dans la prière, je voudrais demander s'il y a des décisions qui ont été prises et s'il y en a quelques-uns qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, que ce soit une conversion ou quoi, que ce soit que vous ayez besoin, le Seigneur est présent. Il a parlé avec nous. Il est présent.
Et il continue à parler avec nous et à agir. Je voudrais que nous puissions tous nous tenir devant le Seigneur et que nous puissions atteindre tous le but, que nous n'ayons pas marché en vain prêcher, mais que nous puissions ensemble nous tenir devant le Seigneur quand il reviendra pour nous prendre auprès de lui, pour prendre les siens auprès de lui. Quand les trompettes retentiront et que la voix de l'archange retentira, pendant que nous courbons les têtes, je voudrais demander et fermer les yeux, qui veut être inclus dans cette prière? Lever les mains, oui, sûrement, sûrement, oui, sûrement. Prions, ô bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel fidèle, nous sommes ici devant ta face rassemblée. Tu connais nos requêtes, les requêtes de chacun individuellement. Sauve, délivre, accorde ta grâce, ô Seigneur. Ceci est le jour. Maintenant est l'heure. Tu aides ton peuple, pas seulement par l'enseignement, mais par la délivrance, par la rédemption totale, par le sang de l'agneau. Bien-aimé Seigneur, je revendique devant ta face le troupeau racheté par le sang. Dans cette génération, tous ceux qui écoutent le message, qui croient le message, qui le reçoivent et qui se laissent ainsi préparer, pardonne-nous, ô Seigneur, tout. Fais-nous grâce à tous. Que le sang de l'agneau agisse par le plein pardon de tous les péchés et accorde l'obéissance telle que toi, notre Rédempteur, tu étais obéissant jusqu'à la mort de la croix. Accorde-nous ainsi, Seigneur, nous qui sommes crucifiés avec toi, la foi et l'obéissance jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Ô bien-aimé Seigneur, que ce jour soit un jour particulier. Béni du lever du soleil à son coucher, la Nouvelle-Zélande, sur toute la terre, ô Seigneur, et fais grâce à tout ton peuple et couronne-nous de grâce et de miséricorde. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la grâce et l'honneur. Encore aujourd'hui, la parole de la croix ne revient pas sans effet, mais elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Accorde la foi et accorde l'obéissance à toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Restons dans la prière. Peut-être que le frère Jean-Claude vient aussi avec les frères et sœurs pour chanter. Nous sommes ici devant la face de Dieu et nous croyons de tout notre cœur que ceci est le temps. Frère Jean-Claude, tu es ici avec ceux qui chantent pour que nous puissions vraiment chanter. C'est très simple. La langue française est très simple, est très facile. Ce cantique dit que nous puissions nous attendre à son retour. Et Maranatha, le mot Maranatha est connu aussi de tous. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Venez simplement, venez et chantez. Venez et chantez, oui. Oui. Nous chantons tous avec vous.
Oui. Amen. Très simple. Nous attendons le retour du Seigneur. Et c'est ainsi que dans ce temps, nous avons entendu l'appel. Et vraiment, avec droit, nous pouvons nous attendre à son retour. Bien-aimé frère Tsing, que Dieu le Seigneur te bénisse. Très particulièrement, le frère Gilson, que Dieu te bénisse particulièrement, que Dieu bénisse tous nos frères et nos sœurs avancés en âge. Le frère Kupfer, vous savez, à 93 ans, il ne peut aussi plus comme avant et 34 ans, il est venu tous les premiers week-ends ici à Krefeld. 34 ans, tous les derniers week-ends à Zurich. Et vous pouvez vous imaginer comment est-ce qu'il ressent de ne plus pouvoir venir et pleure au téléphone, de ne plus pouvoir venir. Je lui ai dit, je vais saluer tous de ta part et nous sommes liés dans l'amour de Dieu les uns avec les autres. Et nous savons que bientôt cela va s'accomplir, que le Seigneur revienne et
transformera notre corps mortel. À qui est-ce que la parole de Dieu a eu quelque chose à dire? À qui? N'est-ce pas? Oui, Dieu vraiment veut que nous soyons prêts, tous. Nous allons demander au frère John, ce soir, qu'il puisse encore prier avec nous. Et le frère Schmitt va... Oui, venez. Oui. Nous voulons entendre en roumain, n'est-ce pas, aujourd'hui? Peut-être en roumain, oui. Qui prie en roumain. Îți suntem recunoscători. Wir sind dankbar pentru tot harul care ni l-ai arătat. Für die ganze Gnade, die du uns gezeigt hast. Nous te remercions, Père Céleste, pour la grâce que tu nous as faite, pour toute la grâce, de ce que tu nous as visité. Tu as visité nos cœurs. Nous te remercions de ce que tu nous as fait entrer dans ta sainteté, dans ta parole, par ton esprit. Nous n'avons pas assez de paroles pour te dire merci, mais nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Seigneur, remplis ton œuvre, achève ton œuvre en nous, dans toute notre vie. Que tout te soit consacré. Le Saint nom de Jésus-Christ soit apporté l'honneur. Amen. Que Dieu te bénisse. S'il y a des frères et sœurs qui veulent rester pour la prière, sentez-vous libre. Après le Amen, après le dernier cantique, pendant que tous rentrent à la maison, celui qui veut rester peut venir devant et nous sommes prêts à prier avec vous et pour vous. Frère Schmitt, remercie avec nous. Grand Dieu, nous te remercions, je te remercie pour la grâce et la fidélité que tu nous as prouvé, que tu m'as prouvé à tous. Pour la grâce, Dieu au ciel, Seigneur au ciel, nous pouvons dire, comme autrefois tu as dit, aujourd'hui, cette écriture, cette parole de l'écriture est accomplie devant vos yeux. Tout s'accomplit comme tu l'as prononcé. Chaque avertissement, chaque exhortation, chaque parole, chaque ordre, nous te remercions pour tout, de ce que tu n'as rien oublié, mais vraiment rien oublié. Tu n'es pas comme notre frère souvent l'a dit, étranger au monde, mais tu sais ce qui se passe et tu as déjà tout écrit dans ta parole. Tu as laissé des règles à suivre, tu as donné des ordres à suivre, tu as donné ta parole, tu as accompli la rédemption en Christ Jésus notre Seigneur. Et nous te remercions pour cela et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions estimer, élever ta grâce, car ta parole ne revient pas sans effet, si ce n'est qu'elle accomplit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur, tu l'envoies pour nous, pour notre rédemption, pour notre délivrance, pour que nous soyons heureux en toi, et te dire merci pour la grâce et la fidélité. Nous te disons merci pour cela. Amen. Amen.